Pierre Palmade, les premières images de l'humoriste après sa mise en examen dévoilées. L'humoriste a provoqué un terrible accident de la route le 10 février dernier, qui a fait 3 blessés dont une femme enceinte qui a perdu son enfant. Lors de sa garde à vue, le comédien a reconnu avoir consommé des substances avant de prendre le volant. Aujourd'hui, il est principalement jugé pour homicide involontaire. Une semaine après l'accident, Pierre Palmade a comparu devant le tribunal de Melun. Le juge a décidé de le transférer vers l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, qui est spécialisé en addictologie, où il sera assigné à résidence pour au moins les 6 prochains mois. Et les images de son transfert ont été dévoilées. Sur celle-ci, on peut voir l'humoriste debout, et habillé d'un sweat à capuche et d'un masque sur le visage. Il marche en direction de sa voiture, le visage baissé. Il a été exfiltré par la porte du local technique du tribunal. Ceci dans l'idée de tromper les journalistes. Pierre Palmade a été étonné de me voir devant cette sortie dérobée. J'ai été étonné par son état physique, il a l'air plutôt en forme, détaille une des journalistes présents. Maintenant, c'est désormais au magistrat de la Cour d'appel de Paris de décider d'une éventuelle incarcération.